Hey yo les délits, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile. Un deck profile saison 1, un deck profile Ligue des Duelistes et c'est pas n'importe quel deck profile puisque c'est le deck profile de Insectoraga. Alors oui, ça fait super longtemps que je vous parle de deck profile juste parce que j'ai eu énormément de mal à récupérer ces cartes. J'étais grave surpris quand j'ai commencé à vous en parler, je dirais il y a à peu près 2 mois grosso modo, parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous apprécier ce personnage. Clairement, pour moi, je vous mets juste un petit passage. C'est des aligneux à Exodia ! Pour moi, ce personnage, c'est le pire personnage de l'anime. Voilà, il est détestable au plus haut point, presque autant que Kaiba. Mais finalement, je vois que vous l'appréciez. L'autre truc très très cool sur cette vidéo, c'est que vous m'avez demandé à plusieurs reprises quand est-ce que sortait ce deck profile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement parce que vous appréciez ce format. Et c'est vrai qu'au début de ce format-là, je me disais peut-être que ça va pas trop les intéresser, peut-être que c'est pas ouf, etc. Et je vois que ça vous plaît et c'est super cool parce que moi ça me plaît énormément. J'en profite au passage pour faire un gros gros big up aux potos de chez Le Coin des Barons. Voilà, je vous mets le lien dans la description. Ils m'ont décoté des cartes, des perles, vraiment c'est le genre de carte. Ça a été édité une seule fois dans un Happy Meal au McDonald's, enfin c'est des trucs improbable parce que le deck d'Instructoraga date de l'époque ou des tout débuts de Yu-Gi-Oh! Et il y avait des cartes qui ont très peu été éditées, qui étaient super relou à choper. Et ils ont réussi à me récupérer ça. Le Coin des Barons, juste pour vous faire un petit speech, sûrement que la plupart d'entre vous les connaissent déjà. Mais c'est grosso modo une bande de potes qui sont sur Bordeaux. Ils vendent plein de cartes. Ils ont beaucoup, beaucoup de cartes. Et voilà, c'est vraiment l'ambiance bande de potes. C'est des gars super sympas. Suivez-les sur Instagram, suivez-les sur Facebook. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Et puis voilà, on passe sans plus attendre, nous, à notre deck profile. Donc, ce petit deck profile, alors, on va commencer avec l'insecte élémentaire. Pour moi, c'est vraiment une carte emblématique d'Insectoraga parce que la première fois qu'on entend Insectoraga jouer, c'est contre Rex Raptor et c'est l'insecte élémentaire qu'il booste à mort qu'il joue. Donc, naturellement, on a cette carte dans le deck. Deuxième carte du deck, eh bien c'est le petit papillon, on en reparlera, vous allez voir que c'est vraiment la carte qui fait tourner les plus gros combos du deck. Donc petit papillon, monstre à 1, 300-300 et je l'ai en MRD première édition. Elle cote rien mais ça fait toujours plaisir, vous allez voir que ce deck là cote bien plus que vous le pensez. Ça va être un deck 1, saison 1, ça va être un deck sûrement beaucoup réédité, vous allez voir qu'Insectoraga a beaucoup de cartes qui n'ont pas été rééditées. Un Dark Assassin, il le joue contre Yugi. Scarabée Hercule, ça fait partie des cartes qui sont un peu relou à trouver, hein, je vous le cache pas. Un sacrifice de milieu de défense, c'est plutôt cool. La puce géante, TP1, c'est pareil, c'est un petit peu relou à trouver. Araignée chasseuse, MRD, voilà, on est vraiment sur de la vieille, vieille, vieille édition. Le Duggenworm, donc là, c'est le premier en MDP2. Donc ça, vous pouvez chercher sur Internet les MDP2, ben, c'est des éditions de Happy Meals, tout simplement. Alors, Insectoraga ne joue pas directement, donc c'est le ver du donjon en français. Je ne l'ai pas trouvé en français, ça c'est les cartes qu'on m'a trouvé, le coin des barons. C'est pas une carte qu'il joue, par contre il joue un trap qui ressemble beaucoup. Je vous mets un petit passage. Donc voilà, la carte n'existait pas en elle-même, le piège, donc j'ai décidé de mettre le monstre qui ressemble pour moi énormément. Et du coup voilà, tout simplement pourquoi j'ai mis cette carte-là dans ce deck, sachant que ça reste un insecte, ça reste dans le terme. Le Kuwagata Alpha. Donc je m'excuse d'avance hein, parce qu'il y a plein de noms qui sont imprononçables, je risque de bafouiller, donc je m'excuse en avance. TP1, 1250. Gokibor, pareil. MDP2, ça c'est vraiment une carte qu'il joue. Et c'est l'une des seules éditions de Gokibor, voire la seule, peut-être même la seule tout simplement. Donc relou à trouver, c'est une rare, elle est en super état et c'est une carte encore une fois dégotée par le coin des barons. Alors j'en parle beaucoup juste parce que pour le coup, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ces cartes là et c'était vraiment mes sauveurs. Je leur ai envoyé un message, ils m'ont dit bah ouais c'est bon on a ça, t'inquiète. Franchement c'était ouf. Alors Kumu Toko LDD. Voilà, on reste vraiment sur du hold. Le Giroshin Kuwagata, 1500 d'attaque. Voilà, c'est quand même pas trop mal. Le Kamakiri volant numéro 2, 1500 d'attaque. Ça, c'est une carte qu'il invoque contre le duel contre Yugi. Et là où, juste après, Yugi active sa force miroir toute pété et tout. Le scorpion démoniaque, un insecte blindé, voilà, il le joue pas, mais j'ai supposé qu'il avait quand même de la ressource, etc. Ça a l'air d'être un bon dueliste, il a gagné les nationales, quelque chose comme ça, juste avant d'aller sur l'île des duelistes. Donc, le petit insecte blindé, voilà, il a sa place pour moi dans ce deck-là. Un pinch hopper, donc cette carte-là permet tout simplement de tuto un monstre, voilà, c'est pas trop mal. Skullmark Ladybug, carte qui est super joli, je trouve. Franchement, voilà, c'est du vieux, c'est des vieilles cartes, c'est du IOC, mais c'est super joli, mine de rien. Du Legoul qui permet tout simplement, donc ça c'est du MRD, encore une fois, et ça permet de taper dans les life points directement.
Ça a que 300 d'attaque, je vous le cache pas. Mais vous allez voir qu'on peut booster ça très rapidement. Et rappelons-le que c'est du deck profile saison 1. Rappelez-vous un petit peu des decks des autres personnes. C'est très très fort finalement, ce format-là. Le vert aiguillon, alors j'ai hésité, mais il se rapproche beaucoup quand même du design de certaines cartes que joue Insectoraga. Sachant que beaucoup de cartes que Insectoraga joue n'ont jamais été éditées, tout simplement. Donc voilà, j'ai encore une fois, j'ai essayé de faire au mieux, au plus près, au plus proche, etc. Et j'ai décidé d'ajouter le vert aiguillon. Donc ça, on le connaît pour les decks meules. Eh bien, lorsque elle est flip, l'adversaire défausse les 5 cartes au-dessus de son deck. Donc ça peut être très très fort. Le Kamakiri volant numéro 1. Alors lui, lorsqu'il est détruit, enfin du moins qu'il est envoyé au cimetière par combat uniquement, eh bien tu peux tuto un monstre de 1500 d'attaque maximum de type vent. Et du coup, on a deux monstres qui sont tutorisables par ce moyen. Eh bien le numéro 2, vu que c'est le numéro 1. Et on a également le Darassassin, voilà, qui est juste ici, qui peut être tuto par cet effet-là. C'est cool, ça permet de faire un petit peu tourner. Et juste après, on passe. Donc je vais aller la chercher. Tac, elle est là. On passe au tuto, au combo principal, celui que vous connaissez tous, celui que vous avez déjà tous vu. Le petit papillon auquel on vient équiper le cocon de l'évolution. Alors là, pour le coup, il est en mauvais état, je m'en excuse. Je l'ai pas trouvé en bon état et puis surtout, il coûte une blinde vraiment. Donc lui, on l'équipe au petit papillon et il gagne voilà cette attaque-là et cette défense-là. Donc il passe à 0-2000. Au bout de 2 tours, si elle est pétée ou si on voilà tout simplement elle est détruite ou on active l'effet, eh bien on peut invoquer la larve de papillon, donc 500-400. Au bout de 4 tours, c'est le grand papillon, la grosse mythe dans l'animé. Et au bout de 6 tours, la grosse mythe ultimement parfaite. Donc 3500 d'attaque, on comprend un petit peu la strat d'Insectoraga, clairement, parce que cette carte-là, elle est plus forte qu'un dragon blanc aux yeux bleus. Donc il avait un peu la confiance, on peut le comprendre. Et c'est fini pour les monstres, voilà, ça fait quand même un beau paquet de monstres. On a quand même énormément de monstres, voilà, je pense que ça, c'est vraiment les cartes les plus emblématiques d'Insectoraga, clairement. Ces 5 cartes là elles vont parfaitement ensemble. C'est quand même super fort à jouer, je trouve ça assez intéressant. Et c'est pas fini, vous allez voir qu'il y a plein d'autres cartes qui sont assez cool à jouer. Donc hop, un petit playset d'armure d'insecte avec canon laser. Donc là c'est quoi, tout simplement on l'équipe et l'insecte gagne 700 d'attaque. 700 c'est super fort, voilà, pas grand chose à dire de plus. J'en ai mis un playset. J'ai également mis un playset d'armure canon laser. Alors pourquoi j'ai mis des playsets, parce que vraiment on voit que la stratégie de Insectoraga c'est de booster au maximum ses monstres, et donc du coup j'en ai déduit que sa stratégie c'est de mettre beaucoup de cartes d'équipement, tout simplement. Armure canon laser, donc là c'est pas 700 c'est 300, mais c'est attaque et défense. Donc là déjà juste avec ces deux cartes là on est à 1000 plus 1000 sur un monstre, même si c'est un monstre à 350, je crois que c'est ça qu'il a, ben on est déjà à 1300 dans les life points, ça fait quand même pas mal. De forêt, pourquoi j'ai mis forêt? Parce que pour faire un petit rappel tout simplement à l'animé où il va jouer, il attire Yugi dans la forêt. Donc j'en ai mis deux parce que trois je trouvais ça un peu trop, mais voilà, j'en ai quand même mis deux pour faire un petit peu le rappel de tout ça. Un Monster Reborn, évidemment, une polymérisation. Vous allez voir pourquoi et vous n'êtes pas prêt, cette carte là est absolument ouf. Et un stop défense. Ça, c'était pour les cartes magie, donc un petit paquet de cartes magie quand même. J'ai pas compté les cartes magie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 cartes magie. C'est pas énorme non plus. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Les 23 cartes monstres, c'est pas énorme par rapport à certains decks de saison 1 qu'on a pu voir ensemble. Et juste après, on a les cartes pièges, donc écailles corrosives. C'est juste ouf parce que je pensais que c'était... Dans l'animé, en fait, on voit l'effet de cette carte-là, mais elle est absolument pas expliquée ou quoi que ce soit, c'est simplement des effets un peu cheat de l'animé. Et cette carte-là existe vraiment, on voit en plus les cartes de l'animé, c'est assez ouf. Et en gros, tant que cette carte est activée, grosso modo, l'effet c'est ça, hein, et ben, tous les monstres de l'adversaire perdent son attaque et son défense à chaque tour. Ou c'est chaque tour ou chaque... Je vous laisse lire, je sais plus exactement ce que c'est, mais ça représente vraiment le deck d'Insectoraga et cette scène mythique, et ce duel mythique surtout, où on voit pour la première fois la force miroir, où on voit pour la première fois la fusion de Gaïa et de... Oh, j'ai mangé le nom de... Je vous l'affiche juste ici, je suis désolé, je suis un gros nul, putain. Et voilà, bon, c'est vraiment trop top. Écaille corrosive, donc c'est une carte piège d'Insectoraga. Révocation définitive, il l'utilise contre X-Raptor au tournoi. Annulation d'attaque. L'Airwink. Et... Ah non, c'est bon, il en reste une encore derrière. Donc le petit L'Airwink, donc c'est une carte piège qui permet tout simplement de détruire un monstre en détruisant un de nos monstres. Et Offrande suprême pour spam le board avec plein... c'est une carte qu'on avait déjà vue dans le deck de Kaiba, je crois. Et donc c'était spam le board avec plein de cartes... Je veux pas spoiler la dernière carte. Donc plein de cartes monstres insectes. La dernière attaque, c'est attaque en double fourche, donc pour détruire un monstre, encore une fois. Et la dernière carte, c'est la dernière. Il en reste une seule. Je vous montre à peine. Voilà, c'est une fusion.
Cette carte fusion, il faut savoir que je l'ai payée plus de 20 euros parce qu'elle est vraiment super rare. Elle a été éditée une seule fois ou deux fois et en français elle est introuvable. C'est un abonné qui me l'a dégotée et qui me l'a proposée à ce tarif-là. Elle vaut beaucoup plus cher. Et du coup, voilà, merci. J'en profite aussi, je ne l'ai pas fait juste avant, mais je remercie tous ceux qui ont participé à ce deck profile à travers des ventes à prix réduites, à travers des échanges, à travers des dons également. Merci à tous, merci beaucoup. C'est vraiment cool de voir que vous appréciez autant tout ça et que bah, vous participez. Tout ça et surtout que ça vous plaît. Donc vous êtes prêts pour cette dernière carte? Vous êtes prêts? Pff, le Quagga Hercule. Donc elle a absolument rincé cette carte, sauf que c'est du TP3. Voilà, c'est super fort. C'est super rare, c'est dur de l'avoir en bon état. Celle-là, elle est vraiment en parfait état. C'est juste une carte rare. Elle a 1900 d'attaque et c'est la fusion entre le Quagga Alpha et Hercule Beetle. Voilà, tout simplement. C'est juste ça. Sauf que c'était vraiment trop cool de réussir à mettre cette carte-là dans le deck profile d'Insectoraga parce que ça colle tout à fait avec l'esprit du royaume des duellistes, des decks de l'époque, etc. Et puis voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'hab, on va se remettre le deck dans l'ordre. Ça vous mettra, je vous le mets en timelapse, ça vous permettra de revoir un petit peu les cartes et on se retrouve juste après pour la conclusion. Donc voilà les potes, on se termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, j'apprécie pas spécialement Insectoraga, mais j'apprécie beaucoup le fait d'avoir enfin son deck. Je sais que sur les réseaux sociaux, je vous ai cassé les pieds pendant longtemps pour trouver certaines des cartes et c'est pas fini du tout parce que j'ai commencé le deck profile de Mako et de Rexraptor et les cartes sont encore plus reloues à trouver. Donc je risque d'avoir besoin de vous. Je vous mettrai ça, tout ça sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me follow sur Instagram. Pourquoi? Parce que je mets plein de photos tous les jours. Je partage plein de choses avec vous tous les jours. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, mais je préfère en profiter ici puisque vous êtes plus de 1800 ici et seulement 200 ou 300 sur Instagram. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, merci au Baron d'avoir trouvé ces cartes ultra reloues à trouver. Et puis voilà, merci à tous d'avoir participé, pour ceux qui ont participé au deck profile. Pour les autres, merci d'être là, merci de suivre cette aventure. Prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao!